Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 18 mars 2023. Il est 9h. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Commençons par le sport, mes amis, pour nous donner un peu de joie. Et puisque les Arméniens sont forts, hein, donc l'équipe nationale d'Arménie qui va affronter au football, donc dans le cadre de l'Euro 2024 de football à Yerevan, qui va recevoir la Turquie. Dans cette équipe d'Arménie, donc il n'y aura pas donc le capitaine, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie. Henrik Mkhitaryan. Le sélectionneur national arménien, l'Ukrainien Petrenko, Alexandre Petrenko, a affirmé que Henrik Mkhitaryan ne répondait pas à sa demande, en fait, ne voulait plus participer, ne voulait plus faire partie de l'équipe nationale d'Arménie, et l'Arménie a besoin d'un capitaine tel que Henrik Mkhitaryan. Voilà, mais la page est tournée, semble-t-il, pour Heno. Mais il y a une nouvelle génération de footballeurs qui peut prendre le relais facilement. Je pense à Spetsian, il y en a d'autres aussi. Hein, donc voilà, beaucoup de talents qui jouent dans les championnats de Russie ou des championnats européens et qui peuvent venir renforcer l'équipe d'Arménie. D'ailleurs, ils ont été appelés pour le match donc Arménie-Turquie le 25 mars au Stade républicain d'Erevan. Mais je vous donne, en fait, mes amis, donc c'est à guichet fermé déjà, donc il n'y a plus de billets en vente. Nous n'aurons qu'une bonne consolation, suivre sur les chaînes de télévision ce match Arménie-Turquie en espérant une victoire de l'Arménie face à la Turquie. C'est possible, hein, c'est possible. Voilà, et puis dans les bonnes nouvelles, Hayk Papikyan pour l'Arménie à Bucarest, oui, en Roumanie, au championnat d'Europe de lutte libre des moins de 23 ans. Il est en finale des 70 kilos. Il s'était imposé face à un Azeri en entrée, donc dès le premier tour. Et aujourd'hui, il est en finale face à un autre Azeri. Donc l'Arménien avait comment, expulsé l'Azeri sur le score de 11-2, je crois. C'est un score fleuve. Vraiment une suprématie extraordinaire de Hayk Papikyan. Espérons qu'il puisse aussi expédier l'Azeri avec un score fleuve aujourd'hui, ce soir. Cet après-midi du moins, justement lors de ces championnats d'Europe des U23, des moins de 23 ans de lutte libre. Voilà, minimum c'est une médaille d'argent, mais on espère l'or. Et puis donc dans la continuation de l'Eurovision 2023, je vous en parle pour vous égayer mes amis, parce qu'en fait, les mauvaises nouvelles, il faut les comment dirais-je, saupoudrer avec des bonnes nouvelles. Et puis la vie continue, hein. Vous savez, le peuple arménien est un peuple résilient. Il faut aussi tendre toujours à ce qui peut nous faire plaisir, à la beauté, à la vie, et puis à la victoire. La chanteuse Brunette, avec sa chanson Future Lover, qui représentera l'Arménie à l'Eurovision 2023 à Liverpool, une partie est en anglais et la fin c'est en arménien. En fait, hein. Elle mêle aussi l'arménien dans sa chanson, ce qui est pas mal. Une très très belle chanson. Enfin, après, vous savez, les avis sont partagés, mais a priori, très belle chanson, puisqu'en fait, tout simplement, sur les réseaux sociaux, donc la vidéo qui a été mise en ligne de la représentante de l'Arménie a été vue. Donc hier, c'était déjà en 2 jours, 1,1 million de fois. Et là, ce matin, il était pratiquement 1,3. Donc il va dépasser le 1,5 million aujourd'hui. Il va vers des chiffres très importants. Ce ne sont pas des chiffres courts, mais c'est parmi les leaders, en fait. Hein. Donc l'Arménie, au niveau du nombre de vues, est dans les favoris donc de cette Eurovision 2023. Après, on verra, hein. Les jurys sont souvent achetés. Mais ce n'est pas grave. Hein. On a vu Anne-Line, qui a été 20e l'an dernier en Eurovision donc 2022, la représentante de l'Arménie, et dont sa chanson cartonne. Donc voilà, donc ça veut dire aussi que l'Eurovision n'est pas indexé sur la qualité de le vote de l'Eurovision n'est pas indexé sur la qualité des chansons présentées. Voilà. Voilà pour le sport, mes amis. Donc, dans le village en Al-Sar, donc la vie continue malgré le blocus. Donc, dans le village de Berdachen, qui est proche de Mardouni, en Al-Sar, la frontière est de l'Al-Sar, dans la zone arménienne non occupée, ce village de Berdachen est en cours de, comment dirais-je, a un dynamisme avec 200 hectares de nouveaux vergers dynamiques qui seront mis en place, qui seront arrosés, qui seront mis en place donc, par les villageois. Et le maire du village affirme que justement les jeunes s'accrochent, viennent refaire développer donc la vie du village. Donc la vie continue de façon très 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 importante et très dynamique. C'est quand même signe que l'Al-Sar n'est pas mort et qu'il y a des villages
qui vivent, hein, les jeunes de Bethachen, qui continuent à contribuer au développement du village natal avec dévouement, et les familles à construire de nouvelles maisons. Donc voilà, c'est ce que dit le maire de la commune de Bethachen, dont le nom c'est oui, Gheorghi Borossian. Gheorghi Borossian, voilà. Et ce village-là n'a besoin que d'une chose, un peu plus de l'ouverture, je pense, du corridor de la Chine, pour développer encore davantage, et puis construire des centres, hein. Je crois qu'il veut construire un centre des sports pour les jeunes dans ce village-là, qui est peuplé de quelques centaines d'habitants, mais un très très beau village, dans un environnement verdoyant, voilà, de collines et de vergers. Voilà. Donc cela veut dire aussi qu'il n'y a pas que Stepanakert, il y a des villages en dehors. Bon, il y a la ville de Mardouni, il y a Askeran, il y a Mardakert, donc au moins les trois villes en dehors de Stepanakert. Il y a aussi des villages proches qui vivent leur vie de façon presque normale, malgré le blocus, mes amis. Donc voilà la résilience, la force du peuple arménien de l'Artsar. Le capitaine qui avait été accusé dans l'incendie d'un abri de soldats, en fait, dans le village d'Azat, dans la région de Kerakounik, c'était c'était début février, me semble-t-il. Il a été condamné, le 19 janvier, c'était à 1h30 du matin. 15 conscrits arméniens, donc des tireurs d'élite, des soldats arméniens, avaient été morts, brûlés. Un drame pour l'Arménie. Le capitaine le capitaine Yerishé Hakopian, qui commandait cette unité, a été condamné à 2 mois de prison. 2 mois de prison, c'est encore peu. Il a sans doute eu des responsabilités dans cette affaire-là. Hein. Voilà, donc de non-respect des normes de sécurité. Depuis, Souden Babikan, le ministre de la Défense, fait le tour de toutes les bases pour voir les conditions de sécurité des abris de soldats ou des casernes ou même des abris qui sont au front, en fait. Hein. Ça, c'était une ancienne ferme qui était occupée par des soldats, juste près de la frontière, au cas où, voilà, pour intervenir rapidement à quelques centaines de mètres ou une centaine de mètres de la frontière. Hein. C'est aussi près, donc, le village d'Azat, dans la région de Kerakounik. Alors, oui, l'OTC, le secrétaire général de l'OTC, donc l'abonné aux absents, en fait. Donc, voilà, c'est un Kazakh. J'en avais parlé hier, il avait été dans la région de Tchernmouk, donc au sud de l'Arménie, voir les dégâts causés par l'attaque azérie du 13 et 14 septembre dernier. Il est donc, hier matin, il était au cimetière militaire des héros de Yerapur. Il s'appelle Imangli Tasmagambetov. Voilà, c'est compliqué. Ce sont des noms kazakhs qui sont d'origine turque aussi, en grande partie. Hein. D'où le problème de l'Arménie avec l'OTC, avec ces peuples turcophones, qui sont plutôt du côté de Bakou et d'Ankara que du côté d'Erevan. Pourtant, l'Arménie fait partie de l'OTC, l'Organisation de traité et de sécurité collective. Et donc, ce Kazakh est le secrétaire général de l'OTC, qui était à Erevan depuis 2 jours. Il a rencontré Arash Mizoyan, qui a affirmé, donc, qu'il a un petit peu fait le point sur la situation arméno, la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis le blocus de l'Artsar. L'OTC qui dit à chaque fois qu'elle va voir le dossier, donc ils vont voir le dossier pour que l'Arménie, à la demande de l'Arménie depuis mai 2021, l'Arménie a demandé plusieurs fois l'intervention de l'OTC en mai 2021 lors de l'occupation du Sevlic, de Lac Noir, dans la région de, je crois que Sunik ou Kerakounik, Sunik. Et l'OTC n'est pas intervenu. L'Arménie a demandé donc aussi à l'OTC d'intervenir lors de l'attaque azérie le 13 septembre dernier. L'OTC n'est pas intervenu. Ils ont délégué plusieurs personnes qui sont venues voir sur place, discuter, voir les dégâts. Mais une fois que la bataille était terminée, l'OTC n'a pas aidé l'Arménie. Et l'Arménie désirait se retirer de l'OTC. Et l'OTC fait mine de s'intéresser à l'Arménie pour pas qu'elle quitte l'organisation. Voilà, donc ça sert à rien. Donc tout simplement, hein, l'Arménie avait, je m'en même Pachinian, avait déclaré que l'OTC n'a pas rempli ses obligations et qu'un retrait de l'OTC de l'Arménie était possible. Là, Poutine, puisqu'il gère l'OTC, fait la pression pour que l'Arménie ne quitte pas donc l'OTC. Mais je crois que l'OTC n'a rien apporté à l'Arménie. On n'aura pas de mal à quitter cette organisation. Voilà, toujours en sport, championnat d'Europe d'haltérophilie. Donc, championnat d'Europe d'haltérophilie qui se déroulera à Yerevan à partir du 14 avril. Donc, le compte à rebours a commencé sur le
Boulevard Nord, à Yerevan, un compte à rebours a été installé hein, par le ministre des Sports et le vice-ministre des Sports, Garen Giloyan, mon confrère journaliste que je connais, avec Aaron Boyajian de Paris. Et donc, du coup, le compte à rebours a commencé. Donc, le championnat d'Europe d'haltérophilie avec plus de 500 athlètes haltérophiles qui vont venir en Arménie. Enfin, c'est une organisation très, très. Que l'Arménie sait faire. Hein. L'Arménie est championne dans les organisations de ce, de chemin de ce type, de ce type-là. Et on verra de très belles images d'Erevan depuis le palais Karen Demirjian d'Erevan, championnat d'Europe d'haltérophilie. Ça commence le 14, cérémonie d'ouverture et fermeture, donc fin le 23 avril, à la veille du 24 avril, mes amis. Voilà. Et puis les travaux de construction là, du tronçon entre Kacharan et Akarak, dans le sud de l'Arménie, c'est par rapport c'est le corridor routier nord-sud. Hein, c'est une tranche en fait de cette voie nord-sud hein, de l'Arménie qui va traverser l'Arménie, l'autoroute. Hein, c'est de l'autoroute qui va traverser du nord au sud. C'est une en partie, donc ça se fait. Donc au second semestre 2023, début des travaux. Donc voilà, sur je crois c'est 23 km ou 30 km. C'est bien pour l'Arménie hein, au niveau du développement du réseau routier, surtout dans cette région de Sunik, au sud de l'Arménie, proche de la frontière iranienne, qui est une zone, comme vous le savez, une zone sensible, même très très sensible. Voilà mes amis, donc pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.